La communauté musulmane se préoccupe des situations que traversent les pays de la sous-région et notre pays, le Bénin en particulier. Les fidèles musulmans peuls du Bénin et de la sous-région ont organisé ce dimanche 5 mai 2024 une grande cérémonie de prière qui a réuni des sommités de la religion islamique, les grands alphas, des cheikhs, des prédicateurs et des imams du Bénin, du Togo, du Burkina Faso, du Niger et bien d'autres pays. La religion musulmane prône la paix. Et qui veut parler de paix, il faut d'abord communiquer entre vous. Nous avons réuni ici la communauté musulmane, je peux dire la communauté musulmane de différents contrées, ici pour qu'on puisse échanger entre nous, pour voir, pour qu'on puisse trouver cette paix-là, il va falloir qu'on échange, qu'on parle entre nous, frères de la même religion, savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que la paix règne entre la religion musulmane et entre la religion musulmane et les autres religions au niveau du Bénin. Au nom de notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, la communauté s'est réunie. Aujourd'hui, si nous regardons dans tout le monde entier, nous avons des problèmes. Ces problèmes ont besoin des prières. C'est ces prières qu'ils ont commencé dans l'Afrique de l'Ouest. Chaque pays va accueillir désormais ces grands religieux, ces grands, qu'on peut appeler les grands alphas religieux, qui sont dans plusieurs pays, qui se réunissent pour faire la prière à l'endroit de la communauté, de toutes les couches de la communauté, surtout pour la cohésion sociale et le vivre ensemble. Vous avez vu l'ambiance qui s'anime. Il y a les cheikhs qui sont venus dans divers pays. Il y a le cheikh de Nigeria qui est là, le cheikh du Ghana qui est là, le cercle du Burkina, Niger, tous sont là. Ils sont là pour les prières de la paix de tout. Donc, et tous les prières ont été faites. Il a été question pour ces fidèles musulmans d'implorer les bonnes grâces d'Allah sur le Bénin, de prier pour le chef de l'État, ses ministres et les cadres de la communauté Peul qui accompagnent Patrice Talon dans son programme d'action. Alhamdulillah, il dit Allah. Wardi no haniri, wardi enedu, wardi eyage, wardi eyite. Quand on dit, c'est pour Abou Yom Ata. Gali bonhomme, dia, les gars de chef tijani, quand on a un coup de sape poétique. Pour un ancien pour mettre une calane. Et le yag a pris le mot de sa tijane. A ma tali, voilà, à sa qui a ma halle. Il y a des sapes qui dit, quand on est allé à Tijania, sapes qu'on a allé. Moi, dame, quand la tikenissia, mansia, tout en minda, mindi, hala, mindi, puis on gondi, et la tire, mon gâteau, de hala, et hala, quand tout le temps, je viens de faire un travail. Orang kata mereka ada suci itu, ini kata kami itu suci tak. Asal aku, kemudian juga mereka di Osman tahu ada ni. Aku tu tahu di mana. Si Allah dan Allah yang pada apa, kita yang tahu apa. Tak ada yang punya sekiranya. Inna Allah apa God. Inna Allah yang pertama. Jadi ini, pengandir saya sampai kok. Moyta sini undal. Au début de la prière, on a d'abord prié pour le chef de l'État, son excellence monsieur Patrice Talon. On a prié pour les Béninois. On a prié pour l'Afrique entière et le monde entier pour que la paix règne, pour que la paix revienne. Donc les frères musulmans qui sont venus ici, ils ont quitté, il y a des gens qui ont quitté le Togo, le Burkina Faso, le Nigeria. Et au Bénin ici, je crois que presque toutes les communes du Bénin sont représentées ici au niveau de Parakou. C'est pour louer Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à qui nous tous nous vivons et grâce à qui nous rayonnons tous. Tout ce que vous avez vu là,
sont venus au nom de cette prière de Mauloud pour prier pour la paix et pour la quiétude au niveau de notre pays, le Bénin. Donc, on a profité de cette occasion pour prier pour notre cher papa qui est là aujourd'hui, le président Patrice Talon, les autorités, les ministres qui l'entourent. C'est les chers qui nous ont réunis pour prier les difficultés qu'il y a au Mali, au Burkina, au Niger et au Bénin aussi. C'est à cause de ça qu'on a fait le Mali et profité pour prier le pays. Le Bénin aussi, notre pays, pour que les difficultés qui entourent au Bénin n'ont qu'à rentrer dans notre pays. On a prié pour notre pays, parce qu'ils ont choisi notre pays, Bénin, pour notre chef de l'État. Dieu n'a qu'à les bénir et Dieu n'a qu'à les donner longue vie. Dieu n'a qu'à les aider avec son gouvernement. Avec, parce que la situation que nous sommes là, il faut la prière, il faut la prière. Avec quoi? Avec ce qu'on attend dans d'autres pays, ça ne va pas. Il ne faut pas que cette situation va venir dans notre pays, Bénin. Vraiment, on prie, parce que ça là, ne vient pas dans notre pays. Inch'Allah, on a prié pour le Bénin, on a prié pour Paracou, le Patrice Talon avec son gouvernement. On a beaucoup prié pour lui et Inch'Allah, Dieu va exaucer notre prière. Et on a prié ce que le Talon a choisi dans son gouvernement comme les têtes de pile. Des thématiques sur les bons comportements à adopter pour le maintien de la paix, la cohésion sociale et la coproduction de la paix ont été développées avec ces fidèles musulmans venus de toutes les contrées. À l'issue de cette cérémonie d'intense prière, le calife Amadou Amadou, venu de Goumouri, se dit fier d'avoir accompli cette mission. Maulid Nabi. Et je suis très content avec ça. Et j'ai prié tous les comités qu'Allah bénéficie beaucoup, 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 toutes les autorités béninoises. Ce qu'on dit, les prières de Maulid, c'est ça qu'on est en train de faire tous les temps. Tous les temps, les musulmans, ils vont en train de faire la prière des prophètes de Sali. Tous les gens qui sont sortis de Togo, au Ghana, au Nigeria, et Niger, Burkina Faso. Une cérémonie qui s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse et les participants
se réjouissent de sa tenue. C'est de prier pour la paix, pour la paix, la santé, la longévité. Et surtout le mot, la paix et la sécurité dans notre pays et dans la sous-région. Tout le monde n'a qu'à tenir ce qu'il peut faire pour aider le gouvernement, notre président, le gouvernement de Bénin, président Patrice Talon. Les actions qu'il est en train de mener pour le pays, tout le monde n'a qu'à aider. Comment on va réussir dans notre travail, le travail que le président est en train de faire. Inch'Allah, nous sommes très contents parce qu'on a beaucoup de imams avec beaucoup de alphas qui sont quittés ailleurs. Il y a les gens de Burkina, il y a les gens de Togo, il y a les gens de Nigeria, il y a les gens de Niger qui sont venus ici avec les gens de Bénin en particulier. Vraiment, nous sommes très contents. La prière qu'on a commencé, c'est avec lui. Tout le monde est très content. On a prié pour notre pays, on a prié pour la population de Bénin. Dieu n'est qu'à nous guider. Je suis très fier et je souhaite que ça ne sera pas la dernière organisation qu'on va faire. Je veux que cela soit chaque fois qu'on se retrouve entre islamiques, surtout Tidjania. Ceux qui sont arrivés dans des contrées du pays, que Dieu les ramène en bonne santé. Il y a d'autres qui sont venus de Kérou, de Kétou, partout dans le Bénin quand même. Les gens sont venus. Les gens sont venus de l'extérieur, du Togo, du Ghana. Nous prions Dieu que tous ceux qui sont arrivés, qu'ils rentrent en bonne santé, en paix. La cérémonie s'est soldée sous l'engagement de chacun à œuvrer pour la paix, la sécurité et à également travailler pour la coproduction de la paix, chacun dans sa localité. Ilallah Muhammadu Maulana, la ilaha illallah Muhammadu Maulana.